Chaque matin, c'est le même rituel. Allumer son écran, rentrer son mot de passe. Pour Charlotte, la routine s'est installée. Ça fait depuis le retour des vacances de Toussaint, donc 2 mois, 1 mois et demi, je sais pas vraiment, on perd un peu le temps. Aujourd'hui, c'est cours de mathématiques. L'étudiante en deuxième année de génie chimique suit les instructions sur le tableau virtuel et répond au professeur par webcam interposée. Les échantillons sont-ils pris indépendamment et au hasard? Oui, mais la question, c'est vraiment l'indépendance. Certains élèves, ils ont dû prendre Internet. Moi, je sais qu'avant le confinement, j'avais pas forcément de... Je m'étais pas installé un vrai cadre de travail avec un bureau chez moi. Du coup, j'ai quand même dû me mettre ça pour pouvoir suivre en cours sur ordinateur. Mais quelques heures plus tard, à l'université de Périgueux, Charlotte est en pleine séance de travaux pratiques. Elle est l'une des rares chanceuses à pouvoir suivre une partie de ses cours en présentiel. On a pris la température de l'air sec. Ouais. Avec la température de l'air humide. Ouais. C'est ce qui manque quand on est à distance, c'est qu'on n'a pas cette interaction-là avec les professeurs. Donc du coup, c'est bien de les avoir en TP. On peut rigoler, donc c'est sympa. Car en génie chimique, il est indispensable de passer par les travaux pratiques. Mais avec 12 élèves répartis par petits groupes, la séance peut se dérouler sans accroc. Une colonne à distiller de plusieurs mètres de haut, c'est un petit peu compliqué dans son appartement. Pendant le premier confinement, voilà, on a tenu à continuer à la formation au maximum. Là, on leur a montré des vidéos en fait, de ce qu'ils auraient dû faire. Et c'est vrai que ce côté-là où ils n'ont pas pratiqué, il y a des automatismes en fait, et des gestes qu'ils n'ont pas pu acquérir à ce moment-là. C'est surtout un moyen pour les élèves de retrouver du lien social. Je ne suis pas du tout rentrée chez moi depuis un certain moment. Donc ça fait du bien de revenir un peu ici, de voir tout le monde, de revoir les profs aussi. Impossible de dire quand les étudiants retrouveront des cours normaux. Une chose est sûre, il faudra laisser la situation se décanter.